Quand le score s'affiche à trois chiffres, Amado Bonnet, cela mérite bien une salve d'applaudissements. Les Lyonnaises ont battu Grafenstaden 105 à 65, 40 points d'écart qui augure une fin de saison sur les chapeaux de roue. Reste qu'au classement, LBF n'a toujours que 2 points d'avance sur la Roche-Vendée. Arrivé aux 6 matchs de la fin avec 6 matchs d'avance, là c'est ce qu'on cherche à faire. Les joueuses en jupe affirment vouloir tout donner pour la fin de la saison régulière, mais se méfient tout de même des adversaires. On est certaines que les équipes vont nous attendre au tournant. On a à cœur de perdre aucun match pour prouver ce qu'on est capable de faire. Maintenant, on sait que ça va être très difficile parce que les équipes nous connaissent. Donc c'est pour ça qu'on travaille d'une manière différente actuellement pour proposer un autre jeu. Si on veut avoir toutes nos chances, on fait du 15 sur 15 en deuxième partie, c'est-à-dire aucune défaite. Là, au moins, on n'a pas de problème, on n'a pas besoin de faire de calcul. Après, si on se laisse un joker, ça nous laisse faire des calculs. On commence à faire des calculs, deux encore plus. Donc ce qu'il faudrait, c'est gagner tous les matchs et je pense qu'on en est vraiment tout à fait capable. Prochain match pour LBF, samedi prochain, sur le parquet du Havre.